Salut à tous, c'est Faustin pour UGK Trading, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du pétrole. Pourquoi du pétrole Car j'ai reçu pas mal de questions, surtout récemment par rapport à ce marché-là, suite à la forte hausse qu'on a eue ces dernières semaines. Et étant donné, vous le savez que chez UGK Trading, on fait du trading de tendance, bah le pétrole était en tendance, donc il était extrêmement intéressant pour nous, pour notre stratégie, et donc pour générer les gains sur les marchés. Financier, Donc, je vais vous présenter dans cette vidéo les bases et les spécificités du pétrole, sinon ça sert à rien d'aller le traiter sans connaître justement ces bases-là. Et ensuite, je vais vous montrer directement sur la plateforme d'IG comment analyser le pétrole pour pouvoir tout simplement mieux le trader. À savoir qu'à la fin de la vidéo, vous allez tout simplement pouvoir mettre en pratique ce que je vais vous expliquer. Ce que je propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite après l'intro. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Alors juste avant de passer sur les graphiques, c'est important de comprendre qu'il existe plusieurs types de pétrole. Il n'y a pas un seul et même type de pétrole. Vous avez en revanche deux types de pétrole qui sont très populaires. Vous avez dans un premier temps ce qu'on appelle le WTI, qui lui est le pétrole, pour faire simple, américain, et qui est donc coté en dollars. Ensuite, vous avez le deuxième type de pétrole très populaire, ce qu'on appelle le Brent. Et le Brent, c'est le pétrole qui est coté à Londres et qui lui... Également coté en dollars, on parle ici plutôt du pétrole européen, même si ce n'est pas exactement ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Brent, lui, est considéré comme un pétrole de meilleure qualité, à l'inverse du WTI, donc pétrole américain, qui est de moins bonne qualité. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on a un écart de prix entre le Brent et le WTI. Le Brent est donc légèrement plus cher. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on parle de pétrole brut, ça veut dire que c'est du pétrole... Euh, qui n'a pas été euh, modifié d'une certaine manière, qui n'a pas été euh, raffiné. Il est tel qu'il est une fois qu'il a été extrait, tout simplement. Alors avant d'envisager de trader le pétrole, c'est super important de connaître les pays producteurs de pétrole dans le monde. Ça va justement vous aider sur le côté Fonda dans vos prises de décision sur ces marchés-là. Alors le premier pays producteur de pétrole, c'est tout simplement les États-Unis. Ensuite, vous avez... L'Arabie Saoudite, qui est un très gros producteur, mais qui, lui, par rapport aux États-Unis, a beaucoup plus de réserves de pétrole. C'est ça qui est super intéressant. Ensuite, vous avez le Venezuela, vous avez le Canada, l'Iran et la Russie. C'est aussi super important de comprendre le coût de production du pétrole. Et il y a différents coûts de production selon la manière dont le pétrole est extrait d'une certaine manière. Pour faire très simple, vous avez ce qu'on appelle le forage Conventionnel. L'idée, c'est ici d'extraire du pétrole dans le désert et ça coûte pas très cher par rapport à d'autres façons d'avoir du pétrole. Vous avez également, par exemple, euh, le pétrole sur ce qu'on appelle les plateformes offshore en mer du Nord et là, c'est nettement plus cher, vous l'avez compris, qu'un forage conventionnel. Ensuite, vous avez une autre façon euh, d'avoir du pétrole, ce qui se passe notamment aux États-Unis avec le pétrole de schiste. Donc, différentes façons, différents coûts, ce qui fait la lecture parfois du pétrole assez complexe. Alors quand vous voulez faire du trading sur le pétrole, vous devez impérativement savoir ce que c'est que l'OPEP. L'OPEP, c'est tout simplement une organisation des pays à la fois exportateurs et producteurs de pétrole dans le monde, donc les plus gros avec l'OPEP. Ensuite, vous avez l'OPEP, qui va s'élargir un petit peu, mais pour faire simple, l'OPEP, c'est un cartel avec différents pays producteurs de pétrole qui vont pouvoir avoir une certaine influence du coup sur les prix pouvoir défendre entre guillemets leurs intérêts et peut-être la stabilité des prix du pétrole donc c'est vraiment super important de connaître ce que c'est que l'OPEP pour justement améliorer un petit peu l'analyse fondamentale que vous avez avec le pétrole alors lorsqu'on veut trader le pétrole c'est important de savoir pourquoi le pétrole peut grimper ou baisser alors avant toute chose c'est important de savoir que lorsqu'on parle de pétrole souvent on parle du baril c'est en quelque sorte l'unité de mesure et un baril surfer de ma part c'est 159 litres alors pourquoi ce fameux pétrole peut baisser ou grimper en se basant ici plutôt sur le côté fondail, c'est-à-dire sans forcément trop regarder les prix sur le graphique, même si on va le voir tout de suite après, les prix et l'analyse technique, ça peut être super utile pour mettre en place des stratégies trading sur le pétrole. Alors le pétrole il peut bouger et son prix en l'occurrence par rapport à différentes raisons. La première c'est l'offre et la demande. Si la demande baisse, il y aura un impact sur le prix. Si la demande en sens inverse augmente, il y aura effectivement un impact sur le prix. Vous avez également le climat, la météo. Si vous avez un climat qui est assez doux l'hiver, un hiver assez agréable d'une certaine manière, bah effectivement, il y aura moins de demandes. Donc, ça revient toujours à la même chose, l'offre et la demande. Ça, vraiment, c'est essentiel. D'ailleurs, peu importe les produits que vous allez utiliser pour vos investissements et votre trading. Ensuite, vous avez potentiellement ce qu'on appelle les énergies alternatives qui vont faire qu'on aura peut-être besoin d'un peu moins de pétrole et donc ça a un impact sur les prix. Vous avez également les nouveaux gisements. Par exemple, on a eu le cas assez récemment tout de même avec le pétrole de schiste, donc de nouveaux gisements, donc potentiellement un impact sur les prix car des nouveaux entrants euh, d'une certaine manière. Vous avez aussi ce que je vous ai présenté tout à l'heure euh, l'OPEP, ce carter-là qui va fixer notamment les quotas euh, du pétrole. Donc, si les, les quotas grimpent ou les quotas euh, baissent, bien évidemment, ça a un impact sur le pétrole. Donc, vous avez différentes raisons diverses et variées qui vont faire que le pétrole risque de bouger. Peut-être une des raisons qui peut être parfois la plus violente, ce qu'on appelle les grosses crises directement dans le pays. Par exemple, si vous avez une crise, une guerre, dans un pays producteur-exportateur de pétrole, l'impact peut être extrêmement violent. Donc ça, c'est le côté fonda. Ensuite, on peut regarder, bien entendu, la lecture des prix. Avant d'aller ouvrir un graphique, c'est important de savoir... Quels produits financiers, quel produits financier, produit de trading on peut utiliser Il faut savoir que lorsqu'on veut intervenir sur le pétrole, on peut le faire de différentes façons, de manière directe ou de manière indirecte. Si on veut le faire de manière indirecte, on peut tout simplement investir dans des actions, dans des entreprises qui sont liées tout simplement avec ce domaine-là, savoir le business du pétrole, le oil game. Ensuite, vous avez la possibilité d'intervenir de manière plus directe avec ce qu'on appelle des contrats à terme avec livraison. C'est ce que vont utiliser un bon nombre de professionnels justement pour pouvoir maîtriser d'une certaine manière les prix sur le pétrole. Ensuite, vous avez euh, les contrats futurs qui sont également des contrats à terme ici, euh, donc vraiment adaptés pour le trading, la spéculation et pourquoi pas la couverture, donc protéger un petit peu euh, ces risques d'une certaine manière. Et eux, ce sont des contrats à terme du coup avec très peu de livraison. Ensuite, vous avez tout un tas d'autres produits pour intervenir dessus. Euh, ça peut être par exemple euh, les options que vous avez sur euh, ces produits-là. Vous avez également... Euh, des CFD, ce qu'on va regarder tout de suite, des CFD sur les contrats futurs, donc les contrats à terme. Euh, vous avez énormément de produits également dérivés qui vont vous permettre de jouer aussi bien la hausse et la baisse sur le pétrole. L'important, c'est d'avoir des bonnes conditions de trading et de bien regarder les spécifications du contrat que vous allez utiliser. Car différents contrats de pétrole n'ont pas forcément du coup les mêmes prix selon par exemple l'échéance si vous êtes sur des euh, contrats à terme ou si vous êtes sur du pétrole en spot car c'est aussi possible d'acheter du pétrole au comptant. Voilà globalement les différentes manières d'intervenir. C'est parti, on ouvre tout de suite les graphiques. Alors on se retrouve maintenant directement sur la plateforme de trading avec à gauche ici le euh, pétrole Brent et ici le pétrole WTI. Donc ce qu'on va regarder déjà c'est euh, le graphique sur des unités de temps beaucoup plus importantes. Pour prendre du recul, et eh bien comprendre le produit, surtout si vous ne l'avez jamais tradé auparavant. Donc ici, je suis donc sur de l'hebdomadaire, donc ce qui veut dire que chaque bougie ici que vous voyez représente une semaine de cotation. Vous pourriez même, pourquoi pas, vous mettre en mensuel, c'est peut-être encore mieux. Chaque bougie représente un mois de cotation, un mois de prix. Donc on a vraiment énormément de data ici. J'ai le pétrole depuis 2005. Même en réalité avant. Je vais faire la même chose pour ce qu'on appelle le WTI. Je vais me mettre en mensuel et je vais dézoomer un peu le graphique. Ce qu'on voit vraiment très clairement, c'est ici la structure du pétrole. La structure du pétrole est plutôt en structure range. Ce qu'on peut voir assez facilement, c'est qu'on se balade entre deux grosses zones sans vraiment avoir de vraies tendances. Ici la borne haute du range et ici la borne basse du range. Ici, on est sur le WTI. Sur le pétrole US, et si je vais sur euh, le pétrole ici côté à Londres, de la même manière je vais tracer la borne haute du range à ce niveau-là, et une nouvelle fois en bas sur la borne basse à ce niveau-là. Donc on voit en fait que les deux sont très similaires en termes de direction, c'est logique, ça reste du pétrole. Ce qu'on peut juste constater ici, ce que je vous expliquais au début de la vidéo, c'est qu'ici le pétrole Brent est légèrement plus cher par rapport ici au pétrole. Euh, tout simplement, US, qu'on appelle le WTI. Maintenant qu'on connaît la tendance, on va se concentrer surtout sur le WTI. C'est celui qui me paraît le plus pertinent pour le trading. Donc, je vais tout simplement effacer ces dessins maintenant qu'on sait que c'est en structure en range. Et on va partir sur des unités temps plus courtes. On peut par exemple décider d'aller sur du euh, journalier. Alors, sur du journalier, ici, ce que je vais faire, c'est déjà essayer de comprendre la tendance qu'on a. Donc, assez simple, on voit ici qu'on est sur une vraie tendance haussière. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu d'excellentes trades qui ont été pris par les membres UGK Trading. Et comment on arrive à capter cette tendance Il y a deux façons de faire. La première, c'est la théorie d'eau. des plus bas ici, de plus en plus haut. des plus haut, de plus en plus haut. Donc ça se voit même visuellement, c'est très haussier. Donc sur ce type de marché-là, je vais éviter de shorter le marché. Je vais plutôt chercher à acheter le marché. Quand bien même, je pourrais jouer la baisse si je le souhaite sur ce produit-là. Car à l'inverse, d'un indice n'a pas une structure à l'achat mais bel et bien une structure range. Donc j'ai pas de difficulté à aller dans les deux sens à la fois long et short. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais essayer, pour affiner ma tendance, d'ajouter un indicateur. Donc je vais aj aj ajouter deux indicateurs, pour être précis d'ailleurs. Une moyenne mobile exponentielle ici, non pas 50 périodes, mais une 200 périodes, qu'on appelle moyenne mobile long terme. C'est très simple, si les prix sont au-dessus, je vais considérer que je suis sur un marché haussier. D'autant plus qu'ici on est loin de la moyenne mobile de 100, donc un vrai marché haussier. On n'est pas juste dessus et la moyenne mobile est bien orientée vers l'eau. Je vais pouvoir affiner ça avec un autre indicateur très simple comme le RSI. Je vais tout simplement laisser le RSI de cette manière et essayer de visualiser la ligne des 50. À savoir lorsqu'on est au-dessus des 50, je vais considérer qu'on est sur un marché plutôt haussier à court terme car on est sur un RSI ici en 14 périodes. Donc étant donné qu'on est, si je suis précis, sur les 67, pour moi on est sur un biais vraiment haussier. Sur le pétrole. Donc, je vais plutôt chercher à acheter le marché. Ce que je peux regarder, évidemment, c'est les niveaux de prix. Donc, pour regarder les niveaux de prix, je vais tout simplement dézoomer un petit peu le graphique pour y voir un peu plus clair. Alors, je vais tracer une zone ici de polarité qui est en fait une zone de résistance. On est tout juste dessus. Alors, je vais essayer de l'affiner un petit peu pour que ça soit un petit peu plus propre pour être très clair. À ce niveau-là, à ce niveau-là, et à ce niveau-là, et à ce niveau-là. Donc, il y a quatre points de contact qui matérialisent. Une sorte vraiment de niveau pivot où ici c'était vraiment support. On revient ensuite à travailler sous forme de support, ensuite sous forme de résistance une fois, deux fois, et ici une troisième fois en l'occurrence sur les prix actuels. Donc la question qu'on va se poser sur le pétrole si on veut le traiter au-delà du côté fondal que je vous ai expliqué, c'est de savoir est-ce que on va breaker ce niveau et si on break ce niveau, pour moi ça serait intéressant d'intervenir dessus pour la simple et bonne raison que je resterai dans le sens de la tendance que j'ai ici. Avec mes différents outils. Je ne fais pas de contre-tendance. Et effectivement, si on break ces niveaux, ça nous laisse de la place par extension pour aller chercher pourquoi pas d'autres niveaux de prix où effectivement on voit qu'on est un petit peu bloqué sur ces niveaux-là. Et ben pourquoi pas par extension aller chercher beaucoup plus haut. C'est un objectif qui est clairement beaucoup trop loin pour du day trading. L'idée ici c'est d'avoir des objectifs un peu plus clairs. Si ce n'est même d'aller chercher, pourquoi pas cette mèche-là si véritablement on break ici ce niveau de prix avec une clôture de bougie. Pour l'instant, clairement, on en est encore loin. Donc, il faut patienter. Donc, si véritablement je voudrais intervenir sur le pétrole, je le ferai dans le sens de la tendance avec des breaks de niveau sur des unités de temps assez intéressantes comme du euh, daily pour aller chercher par extension euh, d'autres niveaux. Et je ne vais surtout pas jouer la baisse dans cette forte tendance. Ensuite, ce que je peux faire, c'est regarder rapidement le sentiment client. Ce que je vois ici, et ça c'est super pertinent avec IG, c'est que 67% des… Euh, Clients ici, alors c'est un petit échantillon à prendre vraiment avec du recul, sont shorts, 33% sont plutôt à l'achat. Alors généralement ce qu'il faut comprendre c'est que les particuliers ont tendance à se tromper et être dans le mauvais sens à faire du trading contre tendance, que j'ai vu notamment lorsque j'étais broker. Donc j'ai aucun problème à faire l'inverse des particuliers, généralement ça va me donner justement plus de chances de gagner en trading. Là peut-être ce qui peut être un peu dérangeant c'est l'écart qui est peut-être un petit peu trop important et il pourrait peut-être prendre le dessus. Mais globalement, euh, le fait de voir que les particuliers sont souvent dans le mauvais sens, faire l'inverse, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc au final, je n'ai pas énormément d'indications par rapport à ce sentiment client. Ensuite, ce que je peux faire, c'est aller sur des unités de temps un petit peu plus courtes pour vérifier cette tendance. Donc effectivement, si je vais ici sur du 4 heures, je vois qu'on reste toujours bien haussier. Alors on est toujours en dessous de ce niveau-là. Je reste également au-dessus des 50% au niveau du RSI. Je vais partir rapidement sur une heure. De la même manière, je vois ici qu'on est suracheté avec le RSI. Même si le RSI en une heure, je ne vais pas véritablement le regarder. Mais on est bien au-dessus de l'EMA. Donc j'ai une vraie tendance ici, tout simplement sur le euh, pétrole. Donc si je veux intervenir sur des unités temps plus courtes, je peux intervenir sur du 15 minutes et chercher ce qu'on appelle des zones de prix, euh, des zones de support, sachant que je veux uniquement acheter le marché. Par exemple, ici en 30 minutes, il faudrait trouver des zones de support. Ici, je n'ai pas de zone de support qui pourrait pour moi être vraiment pertinent tout en restant au-dessus de la MA. L'idée ça serait de pouvoir par exemple travailler ce type de niveau si on va sur du 15 minutes donc des derniers plus hauts par exemple sur ces niveaux-là, donc attendre le break de ce niveau, rechercher ce niveau-là et aller par extension rechercher de la grosse zone que je vous ai tracée initialement. Ça c'est pour du très court terme. Après plus encore une fois, je me répète, pour une approche swing trading, c'est très simple, on attend le break de ce niveau et on peut éventuellement envisager d'aller affiner ses entrées sur des unités de temps plus court. Voilà comment vous pouvez vous aider avec tout simplement l'analyse graphique, l'analyse technique. Après, bien évidemment, si vous voulez des signaux plus précis, vous avez la possibilité de regarder les différentes vidéos que j'ai fait sur la chaîne YouTube où je vous présente des stratégies de tendance clés en main et clairement, elles sont applicables sur le pétrole si vous avez, encore une fois, je me répète, des vraies directions ce qu'on a actuellement car on a une tendance des 1, 4 heures, 1 heure et si on couple ça effectivement avec l'analyse fondamentale, ça peut vous permettre d'avoir des choses intéressantes. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez également faire du pétrole avec la méthode du GK Trading. Vous avez tous les liens dans la description. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez des questions, mettez-les moi dans les commentaires. Abonnez-vous, mettez un like. Merci à tous. Et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du G4 Trading.